Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Yann Srebon. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez que je vous ai promis cette vidéo où Claire Bailly prêche en lieu public. Oui, elle parle de Jésus maintenant, ou oui, elle parle de Jésus à ses fans. Elle dit beaucoup de choses par rapport à Jésus-Christ, comment le Seigneur Jésus-Christ l'a sauvé, et comment la vie de débauche, c'est une mauvaise vie. Parce que oui, elle-même, elle a traversé ça. Elle était leader dans son genre musical. Elle faisait le coupé décalé. Elle était la première. Elle était. Elle se faisait appeler la première dame du coupé décalé. Et elle a vécu beaucoup de choses qu'elle va essayer de nous expliquer quand même ici. Soyez prêts, nous allons l'écouter. Que Dieu lui-même nous accompagne, nous aide à comprendre cela. Et mes frères et sœurs, prenez pour vous. Prenez pour vous. Prenez votre bénédiction et que Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie, dans cette nouvelle vie que Dieu va vous donner. Si vous êtes dans le péché, abandonnez le péché. Si vous buvez beaucoup, arrêtez tout ça. Si vous fumez, arrêtez tout ça. Si vous êtes dans les choses bizarres, c'est le moment de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Nous avons vu comment cette ex-star Didier Raphaël est partie. C'est une chose qui a laissé beaucoup de personnes dans le silence jusqu'à aujourd'hui. Et le résultat est ici. Claire Bailly a décidé de venir à Dieu. Vraiment, je pense que ça doit être un signe pour vous aussi, pour venir à Jésus-Christ. Qu'en pensez-vous? Avant de nous donner votre idée en commentaire, nous allons tout simplement l'écouter jusqu'à la fin. Soyez donc prêts. C'est parti. Elle dit que Dieu a fait beaucoup de choses et Dieu a permis tout ça pour l'enlever de ce monde. Aujourd'hui, à travers moi, je pense que beaucoup de jeunes Et elle dit qu'aujourd'hui, elle pense qu'aujourd'hui, à travers elle, beaucoup de jeunes vont vraiment ranger leur vie et venir à Jésus-Christ. entendent beaucoup de choses. Et elle dit que la vie de débauche que nous menons n'est vraiment pas la bonne vie. Elle dit que vous pouvez être en Jésus et être vraiment épanoui. Vous avez vu ça? Elle dit qu'avec le Seigneur Jésus, on peut faire beaucoup de choses. Le problème, ce n'est pas ce que vous devez faire. Le tout, c'est d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. Du genre, avoir Jésus-Christ comme votre seul et unique sauveur. Aïe, aïe, aïe. Écoutez très bien. Je suis venu faire quelqu'un ce soir dans cette chose. Parce que quand je parle d'Esther, Esther était dans le royaume. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de temps. Je vous explique. Mardochée, c'est l'oncle d'Esther. Et il y avait beaucoup de filles. On dit le roi n'était de femme. Donc il était de tout le monde jeune avec les filles et se marier, tout ça. Et parmi tant de milliers de temps de filles, c'est Esther seulement le roi à aimer. C'est Esther seulement le roi à vivre. Ah, je suis content de me faire le très beau. Non, 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 non. C'est parce qu'elle avait la grâce de Dieu sur elle. C'est parce qu'elle avait la lumière de Dieu sur elle.
pas mon papa. Nous t'amenons que pendant trois jours de jeûne. Amen. Pendant trois jours de jeûne, 7 ans. Voilà comment tout le monde appelle ça le jeûne espère. Et la jeûne. Et vous savez, j'ai le roi. Si tu n'as pas demandé permission, et que tu te retrouves devant le roi. Amen. On te coupe la tête sans permission. Amen, amen. On te proche la gauche. Il n'y a pas de besoin de penser. Tu veux faire sa mère ou sa papa. Il n'y a pas ça. Mais quand est-ce que le jour, quand il a fini son jeûne, et qu'elle a prié le Dieu qui est dessus de tout Dieu, elle a prié le Dieu qui est dessus de tout Dieu, le premier des années, il n'a pas changé. Le chien marche. Quand elle a prié, elle s'est retrouvée toute belle. Quand elle est arrivée, tout le monde était scandalisé. Lui, il va mourir aujourd'hui. Mais est-ce qu'il peut nous rentrer avec le roi de gloire? Amen. Dis avec moi le roi de gloire. Le roi de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, aïe, aïe. Et l'esprit est rentré. Et vous voyez, si le Dieu vous a fait un rien, dans cette année, dans cette année, toi et vous, les amants, quand vous les comportez. Papa, mon mari, va avec le témoin. Mon mari, va avec Satan, qui veut se promener avec toi. Elle a dit ça, mais comme ça, on s'appelle. Je veux qu'on ambivalence. Amen. Quand elle est venue, elle est à main. Le Dieu de manger, elle a dit à son mari. Tellement le temps de sa femme, il a oublié
cherche. Mais vous comprenez, hein, écoutez là-bas, vous savez comment il y avait, j'ai trop l'argent. Mais il a mis le produit des personnes qui étaient en train de se faire. Il dit, ne sais pas, quand je m'arrête, notre personne, je vais en manger de moi. Oui, Jésus. Ah, Jésus qui fait ça. Qui fait ça. Il est venu, il n'a pas changé. Oui, Jésus. D'accepter Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 mes frères et sœurs. Autrefois, elle chantait, elle dansait, elle séduisait son public. Bah, sa manière de danser. Et tout ce que vous connaissez, je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que aujourd'hui, Dieu l'a transformée. Dieu l'a changée. Et elle parle de Jésus-Christ. La délivrance devient progressive pour elle. Et elle a envie de vous dire, mes frères et sœurs, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Dieu. Parce que c'est l'heure. Mes frères et sœurs, le monde va mal. Il y a des choses bizarres qui se passent. Quand une personne sort d'un tel monde et qu'elle vient à Dieu, ça c'est un signe. Un signe hors du commun pour vous dire, attachez-vous à Dieu maintenant. Attachez-vous à Jésus.
et avancer dans la paix. Parce qu'aujourd'hui, elle a la paix. Elle dit que son âme est libérée. Elle dit qu'elle a la paix. Est-ce que vous entendez? Et elle communique cela à tous ses fans, à tout le monde. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes prêt à accepter Jésus-Christ? Mettez-vous dans votre chambre, enfermez-vous et appelez Jésus-Christ. Dites, Seigneur Jésus-Christ, je suis là. J'ai appris que tu délivres. Viens me délivrer aujourd'hui. J'ai appris que tu transformes les gens. Viens me transformer. Viens faire de moi une nouvelle personne. Je ne suis pas parfait. J'ai tous les défauts du monde. J'ai besoin seulement que tu viennes me renouveler aujourd'hui. Écris une nouvelle page dans ton livre pour moi. Transforme-moi pour toujours. Parce que moi, je vais aller au paradis. Je veux voir Dieu. Amen. Tu vas vous visiter aujourd'hui. Il va vous conduire. Lisez la Bible, 66 livres. Et laissez Dieu vous guider maintenant. Que votre cœur soit attaché à Dieu, à Jésus-Christ, notre seul sauveur. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi, mon frère. Dis Amen avec moi, ma soeur. C'est le jour de ton jour. Dieu veut te bénir. Dieu veut vraiment transformer ta vie. Saisis cette opportunité. C'est parti.